Bon, c'est parti, KTP 12, comme pour chaque KTP, on a toujours une heure de retard. Alors, cette saison, on est plein, on est en team de 2, on est 32, donc ça fait 16 teams. J'entends un petit écho au passage. Ouais, c'est relou. Règles spéciales cette saison. Alors, on va commencer par les règles standards, KTP standard, machin, potion de force désactivée, le reste, et potion niveau 2 désactivée, le reste c'est standard, pomme d'or, blablabla. Au niveau des crafts diamants, seul le plastron et les bottes en diamant sont autorisés, vous pourrez pas crafter ni de pantalon, ni de casque, ni de, d'épée en diams, j'en sais rien pour les pioches, si, non, les pioches c'est bon, je suis con. Et si vous voulez faire du bon en diamant, c'est bon aussi. Quoi. Par contre, niveau règle spéciale, c'est qu'on a une vie commune. On va tous démarrer à vainqueur. On en a tous vainqueur, donc deux barres de vie. Et chaque fois que votre, quand vous prenez des dégâts, vous les transmettez à votre mate. Vous prenez un cœur de dégâts, votre mate va prendre un cœur de dégâts. Pareil, si votre mate prend des dégâts, vous prenez des dégâts. Attention, friendly fire activé. Attends, à noter. Donc si vous vous tapez, chacun prend un demi-cœur de dégâts, quoi, tu vois, c'est assez violent. C'est vicieux, ça. Il y a une seule règle un petit peu compliquée à comprendre, donc écoutez bien, même si je l'ai déjà dit dans la salle, c'est pour vous les viewers. L'absorption est à part, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'absorption, s'il prend des dégâts et que ça enlève son absorption, ces dégâts-là ne seront pas transmis au mate. De même, la régène est séparée, c'est-à-dire que si je prends une pomme d'or, je vais régène deux cœurs, mais mon mate ne va pas régène deux cœurs. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Bien joué à toi. Ah oui, dernière chose c'est très importante. Si jamais votre mate prend des dégâts de telle façon à ce que vous risquiez de mourir, vous resterez un demi-cœur. Vous ne pouvez pas mourir à cause des dégâts de votre mate, vous restez bloqué à un demi-cœur et il faut prendre le dégât final, entre guillemets. Ok. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On a des nouveaux, appuyés sur table comme ça. Il y a les nouveaux, c'est Madame Silverlight, il y a Thorl, il y a le retour de Tech, ça faisait longtemps. Ouais, on a le prof de bad, on a le prof d'histoire, on a... Qui on a? Ika, il a jamais fait de KTP, Lucio non plus, je crois pas, je sais plus. Non, voilà, et puis après on a tous les autres classico. Oui, on a Mouette aussi, putain, Mouette il se cache, j'entends pas depuis tout à l'heure. Salut. Ça putain, va il est avec Pierre, t'es en train de fixer ta bite depuis tout à l'heure. Non, mais c'est. Oh, je dis pas ma bite, j'ai une tape sur du blanc, comme ça on le voit bien. Elle a l'air petite, hein, là tu es obligé de te casser le cou. Alors, oui, autre chose aussi, vous allez être surpris dans le tab parce qu'on a tous vainqueur, les 10 autres cœurs apparaissent comme de l'absorption. C'est un bug Minecraft, on peut rien y faire. C'est ça. Okay. C'est ça. Pierre précise pour les viewers, c'est les Gentleman Rose que vous avez bannis, etc. Pour que tout le monde soit au courant. Ce qu'on a banni, utilisation de la canne à pêche autrement que pour pêcher, saut de lave dans le Nether. Et je crois que c'est tout. Il n'y a pas de pantalon ou de casque en diamant. Ouais, mais ça, je l'ai dit, ça fait partie des règles. C'est plus des règles, c'est pas de la Gentleman Rose parce que ça, le craft est bloqué. Il n'y a pas d'épée en diamant non plus. Hein. Et il n'y a pas d'épée en diamant aussi. Ah, ouais, voilà, okay. Parfait. Okay. Oui, on est parti. Ouais. Teleportation. Oh, c'était magnifique comme intro. Teleportation. Teleportation. Comment ça va, Auré? Ça va et toi? Mais ça va, la team Celestia. Team Celestia, pour le moment c'est vraiment ça en plus. Mais de base on devait être en 1-9, du coup on s'est dit ouais viens on se met ensemble, ce sera la Team Celestia. Puis on nous a dit bah en fait c'est en 1-8, ouais, oh, bah d'accord. Voilà, oui. Oh, c'est déjà quand même pas mal. Ah regarde les cœurs. C'est notre première série ensemble. Oui. On s'était croisés dans un KTP il y a longtemps. Ouais, oh, c'est là tellement longtemps. Oui, très c'était longtemps. C'était le 6. Je sais plus, ça lag pas mal pour moi. Alors spawn avec des vaches déjà. Ouais, ça c'est très bien. Tu te diras de pas trop bouger le temps que ça spawn ou sinon tu vas te choper des trucs, je le sens. Ah ouais, vas-y attends, j'attends un peu. J'ai pas tapé pour le moment, j'attends. Ouais, on sait jamais. Je repère un peu les alentours. Hein. Mm-hmm. En profite, je regarde s'il n'y a pas de squelette. On n'a pas de bons arbres pour l'instant, mais bon. Ah, wow. Quelqu'un n'est pas Link. Quelqu'un n'est pas Link. Ok, c'est pas grave, on démarre. Ah non, on démarre pas. Ah oui, dans le tab. Oh, t'as vu le tab? T'as vu le tab? Ouais, on voit tous les cœurs et tout. C'est assez. En plus, il y en a. Oh, nous. T'as vu nos cœurs, nous? Mais nous, tout. Nous, tout est noir. C'est impossible. C'est impossible. Ah, c'est bon, c'est parti. C'est bon pour toi? Ah, ça y est, ça commence à arriver. Je te vois bouger, j'arrive à couper du bois. Ah, ça y est. Bon. Ah oui, ils ont oublié de préciser un truc à l'intro. On est sur TS, nous. Important oui, pour les gens.
notre coéquipier, du coup, on est en direct avec lui, donc on l'entend tout peu le temps. Importe où on est dans le monde. C'est ça. Et par contre, donc ça va être très drôle parce que si on se sépare et que tu croises quelqu'un, je vais être là, ouais. Ça, je vais faire. Je peux pas parler à quelqu'un. Ça va être assez marrant. Bon, on bute toutes ces vaches. Et d'ailleurs, je vois qu'une des équipes ennemies est en train de squatter mon Discord pour parler. J'ai limite envie de me switcher maintenant, toi, tout au début, et faire oh, on a spawné à côté d'eux. Vas-y, chiche. Vas-y, j'y vais. Fais-le. Moi, je bute les vaches. Oh mon dieu, on a spawné à côté de roi, je les vois là. Non, je déconne, c'était juste pour vous troller. Au revoir. J'imagine. Mec, on a une entrée de caverne super grande juste à côté. Ah, j'aime bien quand c'est large. Hein. Ouais, bien sûr. Beaucoup de vaches, c'est ouais. Cool, ça. Par contre. Oui, c'est vrai, faut faire gaffe. Éviter de se taper. Alors, il a pas précisé, mais si on peut se heal au-delà des 10 cœurs, donc oui. Ça veut dire qu'on peut récupérer tout. Hein. Ouh, mec. Il y a quand même un gros avantage, c'est qu'avec 20 cœurs, c'est que tu peux. Bon, ça... tout le monde a 20 cœurs, évidemment, mais si tu peux avoir des grosses différences entre deux joueurs, parce que tu pourras avoir un joueur qui a plus que la moitié, même un quart de Ah, c'est sûr, les combats vont durer plus longtemps. Ouais, ça risque d'être assez intéressant, je trouve. Hop. Est-ce qu'on bouge un peu pour trouver des bons arbres à pommes, peut-être? Ouais, je ne dis pas non. Attends, on a tué toutes les vaches? Je crois qu'il y en a une qui est partie dans la faille, mais je vais éviter. Dans la faille de l'invocateur. Ouais, je vais juste prendre un tout petit peu de cailloux. Oh, il y a une jolie plaine ici. Oui, il y a une belle plaine derrière. Alors, est-ce qu'on raconte ce qui nous est arrivé pendant les tests? Genre, on a testé un texture pack Low Fire, et puis on a cherché de la lave pendant genre 5 minutes, et on est tombé sur des chevaux, des vaches, mascanes à sucre. On a dit, tiens, tu vas voir, note bien, parce qu'on retrouvera pas ça, parce qu'évidemment, on n'est pas sur la même carte. Oh là, niveau vache, tranquille, c'est cool en plus, la vache, c'est ce qui nourrit le mieux, ça donne ouais, du cuir. Ouais, c'est. J'ai beaucoup de cochons aussi du côté où je suis. Alors attends. J'ai une Dark Oak Forest, si tu veux. Oh. Ou les Roof Forest, quoi. Pour le bois, ça peut être pas mal. Attends, je me fais. Après, c'est limite moins intéressant pour former des pommes en fait. Oui, c'est beaucoup plus gros. Mais il y a plus souvent de l'eau, il me semble, dedans, donc c'est plus facile pour trouver quelques cannes à sucre. Alors attends, t'es parti dans le. Ah, moi je fais le plein de bouffe là. Ouais, de toute façon, on va se séparer pour le moment. Hein. On est. Enfin, je sais où elle spawn là, j'y retourne s'il faut. On est en. 570. 650 à peu près. Ouais, j'ai des cochons. Une forêt ah, mais je te vois. Normal, si tu veux. Elle est de l'autre côté de la plaine. Tu me vois? Ouais, je suis juste derrière toi. Bah, voilà. Vas-y, je te laisse les faire. Je m'occupe des cochons. Je fais cela. Hop. Normal. Quelqu'un encore de déconnecté. Tu entends l'écho de tout le monde? Ouais. Non, mais il y a toujours des gars qui se sont déconnectés. Non, mais toujours. Ça arrive tout le temps. Ah oui, là, il y a des bons arbres. Je vais peut-être commencer à casser un peu pour des pommes. Des fois, rester par là. Faire cuire par-dessus mon programme de record, ça me perturbe. Mets-toi dans de bonnes dispositions. Ah ouais, mais on en a un point 8. Enfin, moi je suis en 1.8.0 et du coup les fleurs de 2 de haut sont buggées. De même, je me disais bien qu'il y en avait beaucoup. En fait, au sol elles sont buggées, mais si tu les replaces, elles se placent normalement. C'est un peu bizarre. C'est un peu étrange. Enfin, je sais pas, j'en ai. Ouh. Vas-y, okay. Je t'en prie. Bon, moi je vais commencer. J'envoie là-bas, je m'occupe de la bouffe. Tu t'occupes de la bouffe, je fais une petite entrée, machin, je casse les pommes. On va voir ce que ça là, va donner. Niveau bouffe, on va être tranquille, c'est cool ça, on n'a pas besoin de s'éloigner beaucoup, on en a beaucoup. Pense à prendre de la canne si t'en vois. Yep, et j'en profite en même temps. Puis on va bien voir. Je casse quelques arbres, puis je vais commencer à. Je sais jamais, on peut creuser pour trouver une grotte ou il faut trouver une grotte naturelle? Oui, c'est ça. On peut creuser. Bon. On peut creuser, mais il faut pas genre commencer à se mettre l'un à côté de l'autre et. Ouais, pas en opti, non, on est d'accord, mais ouais. Y a pas de popo de force du coup. J'ai un lac de lave en surface. Tu vois, moi, franchement, avec le principe de la vie commune, petit rush nether pour potion de poison. Ça me dira bien quoi. À limite. Ça pourrait le faire, oui. Si, ça pourrait le faire. Clairement, c'est on moule le portail. Après, tu voudrais qu'on se stuff un minimum d'abord ou y aller vraiment oui, à poil? Ouais, se stuff. Parce qu'après, ouais, en gros, potion de poison, hormis ça. Mais j'avoue qu'une potion de poison peut être complètement pétée dans cette saison. Parce que t'en empoisonnes un, t'empoisonnes tout le monde. Bah oui, tu sais. Et ouais. Toute l'équipe prend quoi. Ah, y'a de l'idée là. T'es tranquille. Oh, j'ai tellement de cochons. Bon, on va être vraiment tranquille niveau bouffe, ça c'est cool. Bon, écoute, parfait. Je vais faire cuire. Je vais commencer à revenir là.
J'en profite, il y a une petite rivière. Ah bah, deux cannes à sucre, c'est déjà ça. Il m'en faut une troisième et puis on pourra faire la table. Nickel. Après, je pense que plus on en aura pour table d'enchant ouais, et tout, mais on aura le temps éventuellement. Je casse les arbres, je fais cuire de la bouffe. Ok. J'en profite là. Plein aux cochons en fait où je suis. C'est Eternal Day ou. Non, je crois pas. Hein. C'est Eternal Day ou. D'habitude, donc bah, tranquille. Ça m'étonnerait même pas que ce soit encore le cas. J'ai vu le restant de canne-sucre que j'ai besoin. Hop. J'ai cassé pas mal d'arbres. Beaucoup de canne-sucre. Ah bah vas-y, prends. Un bon truc de canne-sucre. J'en ai maintenant 16, c'est déjà ça. Et c'est pas mal. Plus. Parfait. Ça c'est cool. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Ça serait cool, hein, mine de rien. Je suis un poisseux en général. Enfin, ouais. J'ai toujours en grande quantité, genre l'or. Toujours. J'en ai plein. Mm-hmm. Aucun problème. Bon, bah, par ça c'est bien. Diamants... Bon, là, les diamants, de toute façon, vont pas être super utiles. Comme ils ont dit, vu qu'on peut faire que plastron et bottes. Ah, c'est déjà pas mal les plastrons. Bien sûr, mais. Je pense. Ok, alors j'ai trouvé un biome marin un peu plus loin. Ça c'est bien ça. Je continue à faire vraiment le plein vas-y, de bouffe. Vas-y, vas-y. Fais le plein de bouffe. Moi, je casse à mort les pommes. J'ai mis de la là, bouffe à chauffer. Trop passé de temps. Là, je pense qu'on a assez de bouffe de toute manière. Bien que j'en ai besoin d'un peu pour. Ah, t'as... je vois encore la. Moi, crème. Sur moi, là, on va dire, j'avais une trentaine de bouffe en tout déjà. Des poulets. Ah, les flèches. Ça, c'est cool. Et en grande quantité en plus. Ouh là, j'entends un zombie. J'ai peur. Ah, quoique, si j'entends un zombie. Il peut y avoir. Ah, une pomme. Je commence à avoir les premières récoltes. Une hop. Première pomme. Oui. Donc ouais, l'absorption va être très importante parce que ce qu'on prend dans l'absorption n'est pas répercuté sur notre mate. Ouais, par donc contre, ça c'est très si important. Si j'ai l'absorption, que tu prends des dégâts, ça ne va pas dans mon absorption. Ça c'est important à savoir. Si je prends des dégâts, ouais. Et que j'ai moins de l'absorption, ça ne va pas prendre dans mon absorption. Mm-hmm. Donc c'est bien. En gros, c'est l'absorption, c'est la vie quoi. Là pour ce pour cette game, c'est vraiment ça ira que dans un sens si on a de l'absorption. Ouais, ce sera très important pour le fight. Après, alors... comme on le disait. Quand on en avait parlé, on se débrouille ouais. Tous les deux plutôt bien en PvE. PvE, ça va. Ouais, donc déjà, je me fais pas trop de soucis, sauf vraiment entre guillemets une erreur, genre un Blaze ou quoi, ou même une Witch ou machin, mais globalement, on sait à peu près y faire. Donc. Quantité de canne à sucre, je fais le plein là, franchement. Vas-y, franchement, vas-y, comme ça. Ah ouais, c'est biblio. C'est très puissant. Biblio. J'ai 4 cuirs là, j'ai. Mais je vais pas tarder à revenir quand même, parce que on est quand même loin. Et ouais, c'est toujours Eternal Day, je regardais. Je vais éviter parce que là il faudra s'enfoncer dans le sol et commencer à. Yep, j'ai toujours pas commencé là, je suis en train de. Je vais pas tarder mais je regarde un peu si les pommes arrivent. Ah, une pomme en plus. J'ai 4 pommes pour le moment. Mais tellement de canne à sucre la vache. Ça donne envie hein. Mais je suis dans un biome marais, y'a que ça. Vas-y. Y'a que ça. Et limite on les refait pousser derrière, tu sais. Combien. Limite, ouais, je sais plus combien il faut. Si tu les plantais tous, tu pourrais. Je crois que. Tu pourrais en récupérer assez facilement. Faut une... Pour une dizaine de biblios, je sais plus combien il faut. Attention. Ouais, par contre, je brûle la bouffe pour pouvoir continuer à avancer. Hop. Écoute, je fais le plein de pommes maintenant. Je vais tuer quelques moutons, ce sera ma nourriture pour revenir. Ouais, pense à ta bouffe. Et puis. Ce sera pas mal. Parce que là, elle est pas quitte, du coup, ça me. C'est un peu dommage de la gâcher. Elle est pas quitte. Elle est pas quitte. Elle est pas quitte. Bon, écoute, je vais commencer à descendre. Vas-y. Bah, franchement le cuir ouais faut cuir cuite cuir cuir moustache désolé d'être belge j'adore l'accent belge c'est trop cool. Ouh, encore canne à sucre bon ben bah. Je suis l'homme canne à sucre j'ai plus d'un stack sérieux. Mais what bibliothèque tu voulais rusher le nether j'ai du gravier si jamais désolé mais là ah bah si oui, oui. Pas bibliothèque on... Ah là on fait masse. Après il va falloir qu'on ait masse cuir aussi. Masse XP, ouais. Masse XP, bah masse XP. Ah, bah, Nether. Cuir, hein. J'en ai 4. C'est déjà quelques bibliothèques. Ça fait déjà 17 bouquins. 17 bouquins, ça fait 2, 3. Ouais, ça fait déjà 5-6 biblios. Pas mal. Bon allez, je vais revenir là parce qu'il faut pas avoir les yeux trop gros, plus gros que le ventre. Oh, il y en a encore. Oh, allez. Vas-y, prends. Fuck it. Bah oui. Ah, c'est du gros gisement en plus. Hop. J'ai la viande de mouton pour revenir, c'est pas grave. Hop. Franchement, ah, il vaut mieux qu'on fasse ça. Puis surtout le fait qu'il y ait... Enfin, le nether est important, mais moins que s'il y avait les popos de force. Du coup, on peut se permettre de passer peut-être un peu plus de temps en grotte si jamais après. Donc, autant faire le plein dès le début. Après, moi j'aimerais bien la potion de poison. Ah ouais, j'avoue, ça serait cool. Hein. Et je sens. Je...
Là, les viewers doivent être en train de rigoler parce qu'ils voient tous les points de vue en même temps, mais je suis sûr que quelqu'un est en train de planifier ça. Ah bah, certainement. Obligé. C'est sûr. Après, c'est donnant-donnant, c'est dangereux. Si tu te foires, tu pénalises ta team. Ah oui, ça c'est sûr. Ou alors, bah après, t'as l'avantage de ne pas avoir l'effet de surprise, donc au pire, tu prévois un saut de lait et puis tu minimises les... Je sais plus ce que c'était, c'était un switch de Patrick, je sais même plus. Mais on avait eu des potions de poison. Ouais. Et je m'étais battu à la potion de poison et j'avais... ça va, ça avait été, franchement. Ouais, globalement, j'avais utilisé dans un KTP que j'avais fait aussi. J'avais utilisé, ah, ça c'était... Ça m'a... Ouais, je... ça avait un peu marché. Yep. Bon, bon je suis en train de m'enfoncer là. Je suis en train de m'enfoncer, tu pourras pas me rater. Il y a ma table de craft et ma... Oui. Il y a ma table de craft et puis ma... Ok. Mon four avec de la bouffe sûrement dedans. Et encore revenant près de. Non mais ça n'empêche, c'est bien hein, parce que pas tout le monde aura la chance de tomber sur un marais. Ouais. C'est une très très bonne chose. Ah non mais là, même, je suis même plus dans le marais là. Je suis déjà en train de revenir près de notre forêt. Genre. Oh, mec, réflexe, je suis voulu mettre les torches dans ma deuxième main. J'entends de l'eau. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pas encore. En fait, on est dans le. On est dans le turfu. On connaît déjà les futures mises à jour. Ok, alors... Peu de cochon supplémentaire, je ne dis pas non. J'entends de l'eau, mais on est assez haut, je sais pas si... Écoute, déjà, je vais descendre un peu jusqu'à la couche... essayer de trouver une grotte un peu plus basse. Alors, ah, je vois où t'as coupé les arbres. Okay. Bah, vérifie quand même s'il n'y a pas des pommes. Il doit y avoir de la bouffe dedans. Ouais, je vérifie. Sinon les gens vont gueuler, ça c'est le truc le t'es plus être sûr. Non, t'as oublié une pomme. Ouais, bah, ah ouais, ouais ça. La saison est finie. C'est fini. Hop. J'ai 4 pommes sur moi. Et j'entends vraiment de l'eau. Non, pas au pire de si pomme. Je trouve rien, on ira voir mais. Pas de pomme en plus. Bon. Ah, tu as fait cuire quelques trucs. Oh, là. Vas-y, vas-y, puis il y en a d'autres en bas, un peu plus bas si tu descends. Ah, mais il y a une autre équipe. Ah, c'est chez nous ici, donc je vais vous demander de partir. Merci. Et voilà, merci de partir. Enfin, nous, on va s'éloigner aussi, mais enfin, c'est notre coin de farm temporaire pour les pommes, donc au revoir, merci. Au revoir. Ok. C'est qui? Ça te fait bizarre, du coup. C'est qui? C'est qui? C'est les profs. Ah, bon, c'est pas grave. Oui, oui, c'est pas très grave. Non. C'est pas grave, les profs, on les aime bien. C'est les copains. Mais je l'ai joué en mode. Allez-vous-en. J'ai pas dit qu'on s'était enfoncé ici non plus, quoi. Oui, bah écoute. Je reboucherai, t'inquiète. Est-ce que je ferais pas cuire le fer plutôt? Je vais faire un deuxième four. Enfin, du steak. Alors. Je vais me faire une petite pelle vite fait. Vas-y. Hop, je vais placer des fours. Hop, comme ça je peux reboucher. Ça c'est ma hantise, ça m'était déjà arrivé une saison. Ah, de te faire prendre en chasse, ouais, ouais. Ah non, mais en fait j'étais dans ma grotte tranquille et puis ça, la mort m'est tombée dessus. Ouais, du coup le mieux c'est de... Le truc qui me perturbe le plus c'est que j'essaie de faire le clic du milieu de la souris pour prendre les blocs. Et marche pas. Ah ouais, tu sais que ça j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça moi, j'avais pas plus fait gaffe. Mais c'est tellement puissant. Ah bah depuis oui, depuis c'est ultra puissant, oui j'utilise moi, que ça. Je te dis, hein. Bah j'ai trouvé du fer derrière là, ok. Ah bah d'accord. En tant que builder... Ah oui, j'imagine. Je suis sûr que je suis au moins 30% plus rapide. Ah oui, j'imagine. Ça, vraiment, ça me change la vie, quoi. Hop. Ok. Le fer. Hop, je vais me faire une pioche en fer. Oh, si t'as besoin de bois, tu me demandes, j'ai un stack et demi. T'inquiète, je me fais juste une petite hache au cas où. Et du coup, je vais peut-être pas les couper. T'as combien de pommes? 4. 4, ouais, c'est pas non plus exceptionnel. J'allais en couper quelques autres en plus. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais faire cuire mon fer pendant ce temps-là. Je vais descendre en couche 10 pour essayer de voir s'il y a une grotte. Ah, bah tiens, une grotte. Je suis pas en couche 10 par contre, je suis en couche 28. Eh, j'ai une couche. T'as une couche? Je ne savais pas, merci pour l'information. Attends, j'ai cru entendre des mobs. Ah, t'as laissé du fer. Moi, je creuse un bloc comme ça, je trouve du fer. C'est vrai, mais non, j'ai pas fait gaffe pourtant. J'ai pas fait exprès. Non, en fait, tu pouvais pas le voir, franchement. Là, c'est juste moi qui ai un peu de la chatte. Hop. Allez, quoi faire un four? On va faire quelques torches. Mec, j'ai une grotte sympa. Nice. Jusqu'à maintenant, franchement, ça va. Alors, je sais
Évidemment pas par rapport aux autres, mais nous ça va, on est tranquille. Oui, par rapport à nous, on est tranquille. J'ai une grotte qui descend à la couche du diams. Limité au niveau de notre progression, c'est le fait de trouver des diamants ou pas. What? Attends. Y'a quelqu'un, hein? Ok, non, en fait, y'a un creeper qui a pris des dégâts derrière un mur où j'étais. Et genre à cause d'un... Souvent, du coup, j'ai entendu... Pshhh. Je fais what? Du coup, attends, vas-y, je bouge par ici, ça me fait peur. De toute façon, ici, c'est pas super intéressant. Y'a un petit peu de charbon, mais bon. Voilà. Ok. Comme ça, si j'y pense, j'irai revoir si ça a droppé des pommes dans 5 minutes. Bien que je vais jamais y penser, j'en suis sûr et certain. Je fais tellement gaffe. J'ai trop peur de me prendre un coup et de d'un coup. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a. Ouais, il l'a précisé, mais si. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on prend pas le. Je ne prends pas un. De, je ne vois pas, je vois juste mes cœurs de minier, je ne prends pas de, je vais pas sauter sur place ou autre chose. Ouais, c'est ça que je demandais, ouais, parce que. Ah, écoute, j'ai plein de trucs à te passer. Donc au final, tu le verras, tu le vois même pas en fait. Enfin, si tu regardes ta vie, oui, mais sinon tu le remarqueras même pas. Ouais, je pense. Ça, c'est cool. Écoute, je vais te faire un petit coffre. Je vois vraiment la barre de vie partagée, genre tu te heal, ça me heal et. Ah, c'est pas vraiment quoi. Mais oui. C'est plus les dégâts partagés en fait dans ce cas-là. Yep. Je vais mettre cuir ce fer là. Hop. Alors, si tu descends là où je suis, je t'ai fait un petit coffre avec les trucs qui pourraient te servir. Ok. Comme ça au moins. Voilà, je coupe de l'arbre vu que les pommes vont être très importantes. Ouais, bien, vas-y. Je m'avance peut-être, mais en général, je trouve vraiment beaucoup d'or. Ouais, bah écoute, je te crois. Donc, je prévois. Je descends un petit peu, je me suis fait un saut d'eau. Normalement ici ça spawn pas. Un seau d'eau c'est pas stupide, hein. Ah, parce que j'avais. Après j'ai 10 de fer, je vais peut-être me faire un plastron. Je t'en ai laissé. Oh, du lapis lazuli. Je t'en ai laissé de toute façon du fer. Le plus important c'est la pioche en fer quand même. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Et puis là j'ai fait un seau d'eau, ça descendait bien. Mais là il y a du lapis lazuli. Et puis on va voir. Après. Du lapis ? Ouais, il y a du lapis. Oh, ça c'est bien aussi. Et trouver du lapis immédiatement c'est. Ça, ouais, ça te met pas mal au moins. Combien de saisons où on a. Tu bloques parce que t'as pas de lapis. Et... Oh ah. Non, comment. Oh, je suis désolé. Mais comment. C'est pas grave, t'inquiète. Oh là, ça commence. C'est marrant, c'est que j'ai eu la pomme en même temps que prendre les dégâts. Du coup, j'ai cru que la pomme était empoisonnée. Ah. Et il y en a. C'est moi ou Edorok et Roi Louis sont très très mal. Oh. Il y en a, oui. Mister et BX là, t'as vu. Attends, ils sont où. Ah oui, il y en a qui sont très très mal. Mais moi j'ai pas fait gaffe, tu sais pas. Enfin, ça me semblait pas haut quoi. Normalement, j'aurais pas dû me faire mal là-dessus, c'est bizarre. Enfin, si, je me suis juste pas fait gaffe. Trois blocs maximum sans sauter. Ouais, c'est ça, mais je sais pas, par réflexe. Plus habitué, ça fait longtemps que je fais pas du haché. Je suis à la couche de l'opsy, je suis à la couche 11, donc je vais miner jusqu'à trouver un truc. Heureusement, moi j'ai l'habitude, Holy Cube, on récupère pas de vie. Mais ouais, c'est et ça. Je build tellement que je prends l'habitude, toi, de descendre correctement des blocs et pas de descendre comme un Yamakaki ou sinon, ben. À la fin, j'ai plus de vie, je dois aller me régénérer quoi. On est d'accord. Donc ça, c'est une bonne habitude que j'ai pris grâce à Oli. J'ai encore un peu de fer. Je suis en couche 11, je mine là, clairement. J'essaie et de trouver là, une grotte. J'attends juste que ça tombe au niveau des pommes. On va dire que c'est bon. J'en ai déjà 3. Peut-être une quatrième et puis je descendrai sous le sol quand même pour aller. Ouais. Ouais. Regardons vite fait l'état de vie. Les profs, ils se débrouillent. Hein. Les profs, ils se débrouillent. Qui a perdu de la vie en fait. En fait, ils c'est soit personne a perdu. Tu vois, genre nous ça se voit pas du tout. Un demi-cœur, ça se voit pas du tout. Tu vois, Hunter High Pierce, ça se voit par exemple juste au-dessus. Et Davlek et Flaming. Mais oui, mais nous c'est pété. C'est tellement un avantage. Bon. Mais c'est pas nous qui avons décidé en plus. Le truc c'est que, en fait, même si nos cœurs sont noirs, bah, je veux dire, là on voit très clairement qu'on a toute notre vie, mais quand on va perdre. Oui, ça va se voir parce que ce sera moins. Ouais. Voilà, tout à les fait. Cœurs vont se décaler. Bon, je veux dire que c'est bon. Hop. Ah! Oh, j'entendais quelque chose. Je récupère tout. Et je rebouche. J'essaie encore de prendre les blocs. Avec le clic de la molette. Ah! Fin d'épisode! À bientôt!